le port d'Akhla Atlantique. On est au chantier du port d'Akhla Atlantique, donc on est en train d'exécuter les travaux de ce grand chantier. Donc on est sur un état d'avancement aujourd'hui de 20%. Le projet, il s'inscrit dans le cadre de la vision royale pour la façade atlantique et aussi dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud. Il jouera un rôle très très important en matière d'intégration africaine et d'intégration aussi de l'offre portuaire africaine à l'échelle internationale, notamment l'ouverture sur les marchés internationaux de transport maritime et l'ouverture aussi sur le marché américain et le renforcement de la connectivité maritime, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Le projet s'inscrit dans le cœur de la question de la façade atlantique et l'initiative royale pour la façade atlantique, parce que c'est un port tout d'abord qui va assurer la connectivité maritime pour les pays du Sahel, puisque c'est un projet qui se situe au niveau de la façade atlantique et aussi c'est un projet qui se situe en termes de position géographique à proximité des pays du Sahel. Et grâce à la mise en place des corridors en termes d'infrastructures, de liaison avec les pays du Sahel, la connectivité et l'échange et l'intégration économique sera assurée grâce au port d'Akhla Atlantique et la zone industrielle et logistique qui est adossée à ce grand chantier.